Ce sont très clairement des arbitres. Oui, je parle bien des arbitres qui arbitrent les derniers matchs du FC Barcelone. Les gars, moi je n'ai pas trouvé un meilleur qualificatif que ça. Dorénavant, les arbitres qui arbitreront le Barça, pour moi, ce sera des arbitres. Je n'ai pas trouvé de meilleur qualificatif. Ce sont des clowns, ce sont des pitres. Là, c'est plus possible. Bien évidemment, que dans ce débrief, on va parler de l'arbitrage. J'ai envie de vous dire. Comment ne pas parler de l'arbitrage Après. Pff... Ce Barça est inquiétant. Le Barça fait clairement peur. Ce Barça-là, moi, me fait peur. On a l'Inter mercredi. Tu joues à domicile contre le Celta Vigo. Tu as la chance d'ouvrir le score assez rapidement. D'ailleurs, moi, ce qui m'a fait plaisir en ce début de match, c'est de voir que le Barça est rentré dans son match très rapidement. Souvenez-vous que les matchs passés. Le Barça avait tendance à prendre ce petit quart d'heure, 15 minutes, 20 minutes, pour rentrer enfin dans son match et mettre le feu sur les cages adverses. Là, ce Barça-là, dès la première minute, j'ai vu de très belles choses. En, franchement, entre la première et la dixième, la quinzième minute, on a vu de très belles choses. J'étais étonné. Je me suis dit, oh, ce soir, ils ont envie de jouer. Ce soir, dès le début, là, les premières minutes, on voit autant d'occasions, autant d'intensité dans le match. Même Ferrand Torres, les gars, j'ai été bluffé. Ferrand Torres, les 6-7 premières minutes, je me suis dit, il va tenir un match référence. Franchement, il aura un très bon match, là, s'il continue comme ça. Bon, après, malheureusement, il s'est éclipsé voilà il a fait 7 bonnes minutes au début du match c'est vrai qu'il a eu un petit tapin après ça peut arriver tout le monde de rater ça mais dans le jeu il a provoqué les sept premières minutes franchement je le trouvais intéressant je me suis dit ferent Torres là il enjambe qu'est ce qui lui arrive lui aussi il enjambe et puis après plus rien plus rien il s'est éclipsé autant éclipsé que le barça entier à la deuxième période moi sur ce match si je devais d'abord parler d'un top, quelqu'un qui m'a encore choqué, c'est bien évidemment l'homme qui est à mes côtés, c'est Gavi. Pedri aussi qui a fait un très bon match selon moi. Deuxième mi-temps, c'était plus compliqué un peu pour tout le collectif. Mais Gavi, les gars, mais quelle machine! Franchement, je ne sais pas. Lui, ce n'est pas normal. Lui, derrière, dans son dos, vous voyez quand il enlève son t-shirt. Je pense que c'est comme les jouets, là. Vous savez, les jouets, vous tournez un petit truc, et après vous lâchez le truc et il court partout le jouet. Moi, Gavi, c'est comme ça pour moi. Pour moi, avant de rentrer dans le match, dans les vestiaires, Chavi, il règle Gavi. Voilà. Il met au maximum, il tourne, il tourne, il tourne. Après, il lâche et Gavi, il rentre sur le terrain, il court. Partout. C'est une machine. C'est une machine, Gavi. Incroyable. C'est pour ça qu'il donne raison à Xavi et que c'est compliqué de dire à Xavi de l'enlever du 11 titulaire. Franchement, c'est compliqué de lui dire ça quand on voit ce que Gavi fait match après match. C'est vrai qu'il y a des matchs où il est un peu en dessous, où il manque d'intensité, il est un peu plus invisible. C'est bizarre de dire de Gavi qui manque d'intensité, mais il y a des matchs où il est invisible, on ne le reconnaît pas. Mais sur ces matchs-là, Xavi doit tout simplement réagir plus rapidement en le sortant et en testant de faire entrer un autre milieu. Là, pour l'Inter, j'ai entendu dire qu'apparemment, ça serait Francky De Jong qui va commencer le match. Normalement, si tout se passe bien, mais ce match-là, moi, il ne me met pas en confiance pour le match contre l'Inter. C'est un match... Prestation très délicate du FC Barcelone. Moi, la première mi-temps, je peux me contenter de ça. La première mi-temps, j'étais satisfait. On a vu un Barça qui avait le pied sur le ballon. On a vu un Barça avoir les occasions qu'il fallait. On a vu un Barça planter un but. Avec Pedri d'ailleurs qui a été euh, au poste de Lewandowski, très opportuniste sur cet accent. on a vu un Barça super intéressant tout de même en première mi-temps sans être non plus flamboyant, mais c'était satisfaisant. Deuxième mi-temps, j'étais dégoûté. Tu joues face au Celta Vigo les gars, tu joues face au Celta Vigo. Je ne dis pas que c'est une équipe nulle, mais tu es le FC Barcelone, tu es à domicile. Garde le ballon s'il te plaît, garde le ballon, fais en bon usage, fais tourner Celta Vigo, maintenant qu'il reste que 20-25 minutes dans le match, encore heureux qu'ils vont un peu s'ouvrir et aller de l'avant, n'hésite pas à garder le ballon, à leur dire les gars. Tenez-moi ce ballon, ne stressez pas, ne reculez pas, surtout parce que le Barça a totalement refusé de jouer. Le Barça, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, il dégageait. Il y avait Lewandowski entouré de trois bleus. Trois joueurs du Celta Vigo. Vous voulez qu'il fasse quoi, Lewandowski? D'ailleurs que j'ai trouvé un peu invisible lui aussi dans ce match-là. Il va falloir qu'il se reprenne. Mais voilà, le collectif n'aide pas aussi. J'ai pas envie d'être extrêmement méchant vers Lewandowski, Parce que je ressens que... Il y a quelque chose qui ne va pas dans le collectif, il y a quelque chose qui ne va pas. En parlant, de, en parlant un peu de la défense et ce qu'on a subi jusqu'à la fin du match, car oui, on a énormément subi. Marcos Alonso, j'ai pas aimé. Je suis désolé, je suis désolé, Marcos Alonso, je n'ai pas aimé. Vous savez comment quand il fait des bons matchs, lui, je le dis, il n'y a aucun souci. Marcos Alonso, je n'ai pas aimé. Défensivement, quand il était défenseur central, je n'ai pas aimé. Quand Xavi l'a fait passer défenseur gauche et a fait rentrer Garcia, j'ai encore moins aimé car, euh, comment il s'appelle, lui a donné le tourniquet, là, euh, passe Il a mélangé comme du n'importe quoi. Alonso, je ne sais pas, je n'ai même pas vu une goutte de transpiration. Il était en vacances dans le match. Après, ce n'est que mon avis, les gars. Ça n'engage que moi. Mais moi, la prestation d'Alonzo, je n'ai pas aimé. J'ai même trouvé piqué. Plus intéressant. Mais je pense que si Xavi a quand même pris le risque de jouer avec Alonso, défenseur central, c'est pour économiser Eric Garcia pour l'Inter de Milan. Moi, ce n'est que m'a pensée Et je pense tout de même, au vu du résultat, on s'en est sorti super bien. Il a bien fait finalement. Franchement, finalement, il a bien fait. C'était un risque, c'était un risque, mais tu es obligé de le prendre car tu as un match contre l'Inter de Milan, ensuite enchaîne contre le Real Madrid et ensuite enchaîne contre le Bayern. Il fallait faire quoi Il fallait ne pas prendre de risque et mettre Eric Garcia à piquer Imagine un des deux se claque. Tu fais comment après pour moi, c'était un risque qu'il fallait quand même prendre franchement de faire jouer Marcos Sanzo. je n'ai pas aimé sa prestation. Dieu merci, on s'en sort super bien. Et ben Xavi voilà, il a un petit Eric Garcia qui est un peu reposé. Eric Garcia, moi j'en parle en bien car il met patte depuis le début de la saison, je le trouve excellent, très très bon. Donc pour moi, il a bien fait de le reposer, histoire qu'il soit frais contre l'Inter de Milan. L'homme du match de mon côté Jusqu'à la 60e minute, j'aurais bien dit Gavi. Comme je vous ai dit, les gars, c'est un petit jouet. Il a un moteur, les gars, Gavi. Il courait partout, tac, par-ci. On dirait il était dans Olivetam. Il était incroyable, Gavi, dans le match. Après, moins en vue, comme un peu tout le collectif, j'ai envie de vous dire. Mais mon homme du match, a, à la fin du match, j'ai commencé à douter. Terstegen, les gars. Comment ne pas parler de lui Franchement, un énorme merci à lui. Il a eu à se toucher le dos. Il m'a fait peur. Franchement, quand il, a, quand il, sait qu il a commencé à s'allonger, se toucher le dos, j'ai eu peur. Mais après, je me suis rassuré en me disant je pense que Terstegen. Peut-être que c'est faux et que je suis totalement parano, mais il voulait juste casser un peu parce que cet Avigo après la seconde période, il s'était rentré avec de très très bonnes intentions et je pense que Terstegen a voulu casser un peu le jeu. Vous savez, c'est tous ceux qui jouent au foot, c'est normal. Quand l'équipe adverse, elle a un temps fort et qu'elle te matraque au maximum. Ben, tu casses un peu le jeu en restant au sol, en faisant perdre des minutes pour histoire de refroidir un peu les joueurs, qui lâchent un peu. Si tu les laisses enchaîner, peut-être que ça peut finir par entrer. Donc pour moi, Ter Stegen, je ne sais pas s'il a réellement eu une gêne ou pas. Dieu merci, il a pu continuer le match. Il a pu même nous sauver le match en sortant des parades Exceptionnel, Franchement, heureusement qu'il était là, du pied gauche, du pied droit, le, de, de, des gants, franchement des gants, des mains, <laughs> n'importe quoi des gants, des mains. Moi, il m'a épaté Ter J'ai énormément aimé son match. Même si attention, les relances Ter Stegen. Eh oui. Et oui, dans chaque bien, on peut trouver, on doit trouver quelque chose de mal, les gars. Ce n'est pas parfait à 100%, c'est parfait. Côté des arrêts, mais les relances, Terstegen, tu fais peur, frangin. Doucement, doucement les relances, les relances dans l'axe c'est tout lent, c'est fait peur. À de nombreuses reprises, dû à ces relances, il prenait le risque de toujours relancer bas, alors que Celta Vigo n'hésitait pas à monter très très haut. Il fallait peut-être jouer un peu plus lent et ne pas prendre ce genre de risque-là. Si on se serait pris un but bêtement comme ça, serait une relance basse du gardien. On se serait voulu. Franchement, franchement on se serait voulu d'avoir pris un but aussi bête que ça. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce match. Pour moi, l'arbitrage, encore une fois, je vais faire une parenthèse sur l'arbitrage. Encore une fois, c'est catastrophique. Je ne sais pas si le petit Nasser là, il est réellement mêlé à tout ça. Mais c'est catastrophique. En Liga, je ne pense pas. En Ligue des Champions, moi, je peux dire que, voilà, on essaie de mettre des bâtons dans les roues euh, au FC Barcelone. Mais en Liga, je ne pense pas. Moi, sur cet accent, je vais vous parler franchement, les gars, sans mentir. C'est vrai qu'avec l'accumulation des derniers matchs. On en a marre. Franchement, on en a marre. À force, à force, on en a marre et on a tendance à réagir à chaud. Moi, j'ai tweeté à chaud directement c'est une honte, nanani. Mais l'arbitre central, pour moi, je peux comprendre qu'il ne siffle pas penalty. Pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a faute. Hein Il y a faute du joueur du Celta Vigo, ça, c'est clair et net. Mais pourquoi, pour moi, l'arbitre central, je ne peux pas lui en vouloir sur cet accent parce que c'est vrai que Rafinha il nous fait une petite euh, voilà, acrobatie là pourquoi Rafinha il en a rajouté un peu on peut pas le nier Rafinha voilà il nous fait une galipette euh, d'un un film hollywoodien doucement Rafinha il t'a fait quoi il t'a percuté avec un semi-remorque il y a un camion il était rentré dedans doucement Rafinha il t'a juste mis la jambe tombe comme euh, normal tombe comme quelqu'un qui fait une chute normale et je pense que l'arbitre aurait peut-être sifflé directement le penalty là le fait que Rafinha se jette un peu, en rajoute un peu, bah, l'arbitre qu que s'est dit Il a simulé. Alors que non, en réalité, il n'a pas simulé. C'est vrai qu'il a ajouté un peu sur la chute, mais il n'a pas simulé. Il y avait clairement faute. Mais j'en veux quand même à ceux qui s'en dans la VAR. Non, je vais commencer à croire que les matchs du Barça, il n'y a pas la <laughs> Non, il faut vérification, les gars. Non, non. Il faut regarder. C'est ça, ce qu'on va faire pour les prochains matchs. Dès que le match se lance, il faut envoyer un agent secret aller voir Yaki dans le camion. Je suis sûr, soit ils sont tous en train de dormir, soit je sais pas, ils jouent à Fortnite, ils jouent à FIFA, ils font leur fut de champion. Je sais pas ce qu'ils font dans la VAR, mais ils font tout sauf regarder le match. Ils ne regardent pas le match, c'est pas possible. Parce que l'arbitre central, pour moi, il peut faire ce genre d'erreur, surtout quand le joueur accentue un peu la chute. Il peut être trempé par une peut-être une petite simulation. Mais la VAR, là, il revoit l'action. Allô Ouais, c'est vrai c'est vrai qu'il a rajouté un peu sur sa chute, mais il y a faute. Oui, il y a faute. Il y a clairement faute. Il y a contact. Il lui met la, la jambe sur sa direction pour lui la route, il y a clairement faute. Euh, oui, c'est un très bon acteur. Oui, c'est vrai que c'est un très bon acteur, mais si la faute quand même. Normalement, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais l'avare, non, rien à foutre. Il n'y a pas faute. Ils s'en foutent. Ils sont là. Il faut leur fut champion sur FIFA tranquillement. Franchement, ça m'agace. Ça m'agace. Ça me fait peur parce que ce que je vois sur le terrain du Barça, ça ne me rassure pas. Et en plus de ça, tu vois qu'ils ont les arbitres sur leur dos. Ça me rassure encore moins. Franchement. Si Dieu est avec nous normalement, j'espère qu'on va s'en sortir contre l'Inter. Mais là, ce que je vois, ça ne me rassure pas. Dites-moi dans les commentaires quels ont été vos tops et vos flops de votre côté. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match Je pense que, comme moi, la plupart, vous allez être pas être rassurés. Même si ce genre de match, il y a des matchs, les gars, comme je vous ai dit, il y a des matchs, c'est tiré par les cheveux. Il y a des matchs où tu es obligé de planter un but et après, tu seras en difficulté. Et le but, ça sera de tenir. Voilà, pas forcément avoir la meilleure façon de jouer, une façon alléchante pour aller mettre 4-5-0. Ce pas tous les matchs, ça va se passer comme ça. Il y a des matchs où on est obligé de les tirer par les cheveux. Mais. Là, ça fait beaucoup. Là, c'est tous les matchs quand tire par les cheveux. C'est Mallorca, c'est Si, c'est l'Inter en C'est le Bayern plante pas des en Là, ça fait beaucoup de matchs tirés par les cheveux. C'est pour ça que ça m'inquiète, moi, finalement. Au final, ça finit par m'inquiéter. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Lâchez le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. On se redit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.